Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Aujourd'hui, nous changeons l'éclairage de l'atelier. Allez, c'est parti! J'ai commencé par faire un petit croquis. L'ouverture du cadre doit être de 580 mm et l'extérieur du cadre de 740. Il sera réalisé avec des chutes de bois qui me restent dans l'atelier. L'assemblage du cadre se fera par lamello. Je vais maintenant débiter dans les lames de bardage avec 5 mm de plus. Maintenant, je dévide dans la planche 3 longueurs de 760 mm. Maintenant, rabotage d'une face, puis mise à épaisseur. Thank you.
mise à largeur de 80 mm. Coupe à 45 degrés et mise à longueur. Voici le cadre une fois débité, une petite disposition en blanc. Maintenant, je vais réaliser la feuillure. Je vais procéder à l'assemblage au lamello. J'ai acheté cette lamelleuse sans me soucier un peu des caractéristiques techniques. Suite à l'achat de la lamelleuse, j'ai commencé à effectuer des réglages. Par contre, je n'avais pas remarqué que cette lamelleuse c'est pour du 16 mm minimum épaisseur de bois. Du coup, j'appose ici une cale de réglage pour pouvoir rattraper cette distance. Pour ensuite pouvoir intégrer mon lamello ici sur le milieu de la pièce. Lorsque vous effectuez un achat, faites attention aux caractéristiques. Je vais tracer maintenant l'emplacement des lamellos. Ils vont venir ensuite s'insérer ici dans le cadre.
Eh ben, on est tout bon. Voilà, 580 intérieur. Super. Allez, ponçage. Petites arêtes. Alors maintenant, une fois que ça sera sec, eh bien on pourra poncer. Allez, on retire les serre-joints et maintenant, un petit coup de ponçage.
Alors, petite présentation. Hop, dans le cadre. Et ben voilà. Pas mal du tout tout ça. Super. Et ben. Alors, pour la fixation du cadre, simplement deux petits assos qui vont venir à chaque extrémité, visser dans le bois. Deux tasseaux vissés de chaque côté dans le bois. Et comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra remplacer l'éclairage du fond de l'atelier. Je vais percer les tasseaux pour la fixation sur le cadre. Voilà. Perçage avec vis inclinée pour plus de discrétion. Fixation des tasseaux. Voilà, tous les tasseaux sont fixés, le cadre est sec. Maintenant, une installation pour le fond de l'atelier pour changer cet éclairage au néon pour passer au LED. Allez, démontage. Première chose, on va couper court. Alors, allez. Oh là. Nickel. Eh ben, nickel! Super! Bon, alors maintenant, on va modifier un peu l'électricité. C'est là, un petit peu dangereux. Tout passer dans la boîte de dérivation, on se retrouve après. Voilà! L'électricité est terminée. Je vais éteindre ça.
un peu dans le noir. Hop. Allez. Installation de la dalle. Ah ouais. En off, j'ai réalisé deux autres cadres pour l'emplacement des LED, ce qui me fait trois éclairages LED dans l'atelier. C'est super, super, parce que là, j'ai une clarté dans l'atelier, pas beaucoup de zones d'ombre, très peu, très peu. Waouh, j'en suis content. Avant de conclure, j'allais oublier, je sais, j'ai mis mon petit blouson. Une bonne couleur, la bonne tendance en ce moment. Alors dans les commentaires, s'il vous plaît, allez-y mollo, j'ai pas fait gaffe, et j'avoue qu'on est déjà bien charrié dans la famille avec ce petit blouson. Allez, petite conclusion maintenant. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo. Si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à abonner à cette chaîne. Je vous le rappelle, la chaîne DB Bois. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me suivre, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Allez, à la prochaine. Ciao !